Salut mamie, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente année 2013. Voilà, j'espère que vous avez passé un super réveillon pendant la Saint-Valentin et que vous avez trouvé un super costume d'Halloween, bref, j'espère que ça va. Alors moi, ça va super, je vous fais cette vidéo parce que dans l'actualité K-pop, il y a un petit groupe qui vient de démarrer et j'aimerais bien faire une réaction vidéo dessus parce que bah voilà, vous savez, j'aime bien réagir à tout ce qui va être K-pop. Et je me suis dit pourquoi pas. Genre j'en ai entendu parler un petit peu sur les réseaux, pas non plus beaucoup, c'est pas encore un groupe, enfin ils viennent de commencer quoi, donc du coup clairement ça va être de la nouveauté et j'ai trop hâte de découvrir avec vous. Du coup le groupe, alors attendez que je prononce bien, c'est BTS, je crois que c'est l'acronyme de Bangtan Sonyeondan, c'est ça. Donc du coup c'est un groupe qui vient de débuter là actuellement et ils ont sorti donc leur clip No More Dream, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, sur ça qu'on va faire la réaction aujourd'hui. J'ai trop trop hâte. Franchement, je suis trop excitée. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai entendu des échos sympas par rapport à ça. Donc, ben, on va découvrir ensemble si je stan peut-être un nouveau groupe. On ne sait pas. Donc, ils viennent d'une maison qui est pas très connue. Enfin, qui ça fait pas partie de, vous savez, du triptyque entre guillemets des maisons de production. C'est le Big It, je crois. Association Entertainment, je ne sais plus. Donc, c'est pas vraiment une maison de production qui est famous. Hein, mais nous, on va soutenir les petits groupes comme ça. On adore. Ok, donc. C'est bon, j'y suis. J'ai trop hâte, c'est pas du tout comme attendre, j'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte. Oh! Ok. J'aime trop l'intro, les petites bulles comme ça là, c'est trop cute. On se croirait dans une piscine. Ah oui, d'accord, ok. Ambiance bad boy à la maison. Ok, ça crée des accidents, je ne sais pas qui roule, mais cette personne n'a pas le permis. Ou alors j'espère qu'elle n'a pas parce que... Ok, Jin. Oh, attendez, attendez. Ok, attendez, deux secondes, avant que ça commence. L'intro, j'adore, genre très série, on dirait un peu et tout machin. Je connais pas encore les membres et tout, hein, donc franchement, je dis peut-être n'importe quoi, mais Jimin, ça sent, c'est la Kyra du groupe. Genre vraiment, il a trop une allure de bad boy vénère. Je sens que ça va vraiment être le loupard du groupe. Vénère quoi. Ok, ok. Contrebasse, si je ne m'abuse. Oh. C'est vraiment tous des loulous là, avec leur petite tenue. J'adore son plan. Il a une jupe. Trop stylé. Ah non, c'est un couleur. Pardon, mais ses lunettes, attendez deux secondes, pause, ses lunettes là. Le mec dans le turfu, attendez, comment il s'appelle celui-là? C'est... RM, ah c'est le leader, ok. RM, c'est pour Rap Monster. Rap Monster. Ouais mais ça se voit, franchement ça se ressent que c'est le... C'est très louvard. Ils ont un flow! J'adore! Ah, lui, c'est le rappeur, c'est un des rappeurs du groupe! Il est gavé chaud! J'adore! J'adore! Je kiffe. Oh, ah c'est le loupard, c'est la racaille devant. Le bad boy du groupe. Ils sont chauds. Attends, attends, avant que tu m'agresses avec ton flow là, c'est qui? Suga. Niveau choré, c'est vachement... C'est impec. Genre c'est gavé clair, je sais pas comment expliquer, mais ils ont une trop bonne énergie ensemble, je trouve, au niveau de la choré. Mais par contre, celui qui a rappé avant, là, c'est Jungkook, le plus jeune. Ça se voit que franchement, ça va être le rappeur de la bande. Genre, il a un bête de flow. Ok, je retire, c'est lui le number one. Attendez, on va refaire ce move. Je le trouve trop stylé. Attends, bon, j'en ai pas de lunettes de vue, mais en gros, il était comme as, et là...
Dans le clip, c'était trop stylé. Mais j'adore. Mais le flow de ces mecs, il est palpable. Oh, effet d'optique. C'est eux qui dansent là? Ah non. Oh. Lui ça se voit, c'est qui c'est? C'est Jin. Ça se voit, lui c'est le mec sérieux du groupe. Genre vraiment ça se voit dans son regard, c'est le l'intello. Genre faut pas le... Faut faire les choses strictes avec lui, je pense. Vraiment c'est le mec sérieux. Mais lui là, J'adore. J'ai même plus rien à dire, je suis scotchée. On part pas sur les mêmes chances hein, chacun, mais what the f... Il mange quoi le midi et soir? Parce que je veux avoir le même, si c'est possible, même régime alimentaire, même corps quoi. Les petites chiennes. Ah c'est très levé de haut là, c'est très pool party, ouais. Petit skate. J'aime trop la leve. Moi aussi je veux le faire. J'aime trop, c'est calme, ça fait trop street. Qu'est-ce qui se passe? Ah, une note de note noire. C'est grave stylé le mouvement. Choqué. Ah, ça se frappe avec des poteaux. Visiblement, il ne travaillait pas dans la signalisation celui-là. Attendez, pourquoi le... C'est le loulou, ok. Le loubar fait des high notes. On aime. Oh. Ah, c'est la police. On ne rigole pas. Ok. Waouh. Franchement, je suis scotchée. Genre, en fait, c'est rigolo parce que c'est pas trop des univers que dans lesquels je suis. Genre, c'est un peu hip-hop, un peu. Et normalement, je suis pas trop dans ce genre de bail, mais là, ça passe trop bien. Genre, ils ont une énergie super cool. Enfin, après, je connais pas vraiment les membres et tout machin, leur histoire, enfin comment ils sont connus et tout, mais je trouve qu'ils forment une belle équipe. Oui, je me gratte le dos tout à l'heure. Hein. Je suis grave surprise, mais je pense que bah, je vais continuer de les écouter et de voir leur évolution, parce que franchement, je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir sortir. Je sais pas s'ils ont sorti l'album encore ou pas, mais je vais grave checker, franchement. Genre, la Corée et tout, puis trop genre, je sais pas, pour moi, Jungkook et Jimin là. Enfin, oui, je crois que c'est ça les noms. Je sens que eux, ça va vraiment être les gros bras du truc. Et Jin, ouais, moi je me pronostique que c'est Jin, c'est le mec sérieux quoi. C'est le mec genre, il est pas là pour. C'est carré. Et Suga, ça se voit, c'est le bout en train. C'est celui qui crie tout le temps. Ça se voit trop, c'est lui. Enfin bref. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Genre, franchement, je pense que c'est un groupe qui peut percer. Franchement, je le sens bien.